Et yo tout le monde, c'est Nico363 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un tuto comment faire une pioche. J'avais dit l'autre fois que j'allais faire une pioche en pierre, sauf je voulais dire en fer. Donc je vais faire un autre tuto d'épée. Donc allez le voir si ça vous intéresse. Là en fait on va prendre à peu près les mêmes matériaux, mais comme moi c'est-à-dire planche de sapin et planche de chêne sombre. Mais comme moi je veux faire en fer, je vais prendre laine gris clair et laine gris foncé, comme ça, laine grise quoi, tout court. Donc on va commencer à prendre de la hauteur. Je prends, j'ai pas besoin de prendre la hauteur parce que j'avais déjà, enfin je prends, vous avez compris quoi. Donc en fait on pose un bloc de sapin et ensuite on va mettre les blocs de chêne sombre comme ça. Ensuite on va faire comme, on va les mettre sur les côtés. Ensuite on va faire tout le temps comme ça. On va le faire 8 fois. Je suis en 3, 6, 7 et 8. Voilà. Donc sauf au dernier, là où on va pas mettre de bloc. Donc là on va prendre le bloc gris foncé. Si vous le faites, si vous voulez faire en diamant, vous prenez le laine bleu foncé. Donc là, à partir de là, on va faire 1, 2, 3, 1, 3, 4. Donc je vais figer bien. Non, j'en ai 5. Ensuite, on va mettre un bloc en diagonale, comme ça. Ensuite, on va remonter, comme ça, on va faire une colonne. Et cette fois-là, on va pas faire 4 blocs, on va faire 5 blocs. Donc ça, normalement, ça doit faire ça. Ensuite, on va faire pareil de l'autre sens. Donc cette fois, on descend. 1, 2, 3, 4. On bloque en diagonale. Ensuite, on remonte. Et 5 blocs. Donc voilà. Ensuite, là, c'est très très simple. On a juste à rejoindre. On met comme ça, tac. On rejoint juste comme ça. Et on fait ça. Et voilà, donc vous avez quasiment terminé votre pioche. Par contre, j'ai l'impression que le stick, il est peut-être pas assez grand. Je vais juste remettre. Ça serait peut-être mieux de mettre un. Remettre un. Ouais, c'est plus. Ah oui, c'est vrai, il y en avait 9. Donc, ouais, il faut pas mettre 8 fois ça, faut en mettre 9. Donc, ensuite, je pense vous l'aurez compris, on complète avec. En fait, j'ai l'impression de pas avoir pris la bonne laine. Ouais, c'est bon. Ouais, si, je crois que c'est bon. Ouais. Mais en fait, je trouve celui qui le fait mieux, en fait, c'est en diamant. Mais en fer aussi, ça le fait pas mal. Bon, c'est vrai, on dirait. Mais en fait, on dirait trop du blanc, en fait. Du coup, c'est pour ça que ça fait pas très. Ouais. Quand même, je vous conseille peut-être plus de le faire en diamant. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'était vraiment un tuto super court. La hache, si peut-être je vais faire un tuto de hache à un moment, mais ça sera pas trop trop pour maintenant. Et de où ça sera encore, faudra encore plus attendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!